Bienvenue Éric Sauvier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On va parler de Laura, qui vient de paraître aux éditions Alia, qui est votre 10e livre chez Alia, où vous avez publié l'essentiel de votre œuvre. Il y a aussi un précis d'anthropologie de l'ordinaire sorti chez Anacharsis et aux éditions Amsterdam, La Petite Ville, qui n'est pas sans... Donc celui-ci, sorti il y a 2 ou 3 ans, qui n'est pas sans lien avec Laura, mais effectivement, je parlais tout à l'heure des éditeurs qui font sens dans la problématique aussi qui est la nôtre, c'est-à-dire des frottements et du questionnement littéraire entre le réel, la fiction et tout ce qui se passe à cet endroit-là. Donc évidemment, Alia en est un représentant avec son principe de hors-collection, c'est-à-dire de textes qui sont pas classés en fiction ou en non-fiction. Et puis votre travail à vous-même dans Laura et depuis le premier livre sorti, Anthropologie, il y a une quinzaine d'années, je dirais, est exemplaire de ce qu'on a envie d'interroger durant ce festival. Je vais commencer par Laura. On va cheminer un peu dans le fil de votre bibliographie et sans doute revenir à Laura à la fin pour que vous puissiez en parler également. Qui est Laura ? Puisque le livre s'intitule Laura, que le livre est basé sur un dialogue entre deux personnages, un narrateur qui parle à la première personne, qui vous ressemble trait pour trait, sociologiquement, géographiquement aussi, donc qui n'est pas sans lien avec votre personne au sens où ce que vous êtes, l'endroit où vous vous situez dans la société, la classe sociale et culturelle qui est la vôtre, à savoir celle d'un professeur d'anthropologie à l'université qui a migré d'une petite ville vers une première métropole régionale, Bordeaux, et puis qui enseigne à l'heure actuelle en région parisienne. Donc quelqu'un qui est un transfuge de classe au moins culturel et en partie sociale. Et la situation où tout le livre se situe, c'est un dialogue à base de rosé, frais ou pas frais. Une des premières phrases, c'est « il n'est pas frais, mon rosé ». Un dialogue dans un endroit particulier, évidemment, qui est le parking d'une zone industrielle et l'arrière d'une usine qui pose plein de questions à cet endroit-là. Le narrateur, qui parle à la première personne, boit du rosé avec Laura et discute avec elle. Et tout part de ce dialogue-là. Tout part de ce dialogue-là tel qu'il se dit et puis tel qu'il résonne dans la tête, dans l'esprit du narrateur. Aussi bien sensiblement qu'intellectuellement, sociologiquement. Puisque tout ça fait sens. Sa propre migration de classe est géographique. Et l'absence de migration de Laura, qui est restée au même endroit et qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler, et vous me corrigerez, hein, tout ce que je lance demande à être justement corrigé, parce que je vais en venir à ma première question. Laura, elle, est restée là, est une dominée, socialement au moins, culturellement sans doute aussi, sexuellement d'ailleurs, elle a pu l'être également, enfin, du point de vue du genre, il y a plein de choses qui sont interrogées à cet endroit-là. Et Laura était au lycée, la fille qui faisait fantasmer le narrateur, qui est allée voir ailleurs et qui revient et qui est saisie par un double trouble, celui de cette différence de classe à l'œuvre, dans leur dialogue qui a du mal sans cesse à reprendre son cours, à se trouver, et celui des rémanences de ce trouble adolescent qui s'en va jamais, sans doute comme l'adolescence, qui est un truc qui quelque part ne nous laissera jamais tranquille. Donc voilà, j'ai présenté les choses et cette situation, et ma première phrase commençait par « Qui est Laura ?» Et j'ai envie tout simplement, Eric, de réitérer la question. C'est pour ça que je vous proposais de me corriger aussi.
C'est-à-dire de vous demander à vous, là, maintenant, en tant que l'auteur de ce texte, qui est Laura, pour que vous aussi bien me corrigiez que me confirmiez, et tout simplement le dire en d'autres termes, celui de votre position, de celui qui a écrit ce livre-là. Aussi bien une Laura, si elle existe réellement, incarnée, que la Laura devenue personnage, et ce qu'elle représente, et ce qu'elle produit sur le narrateur et en vous-même. Bonjour. C'est une question très shakespearienne, qui est Laura. Peut-être qu'on entend bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Je pense qu'on mériterait. Ouais, il faudrait un peu plus de micro pour Eric, je pense. Je disais que c'était une question très shakespearienne. Qui est Laura? C'est un collage, on va dire, de beaucoup d'éléments, de beaucoup de souvenirs. Laura existe, mais en même temps, elle n'existe peut-être pas exactement sous cette forme-là. Elle existe dans les représentations de ceux qui l'entourent, de ceux qui vivent dans les villes, de ceux qui vivent avec elle dans cette petite ville-là, puisque ça se situe sur une de ces petites villes qu'on traverse parfois, une de ces petites villes qui meurent doucement, économiquement, socialement. Bon. Et donc elle est le fruit de toutes ces représentations, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à la fois les représentations fantasmatiques, et puis c'était intéressant dans le texte de travailler, et plus j'enquêtais sur elle, et en fait plus le personnage échappe aux représentations ou échappe à une espèce d'image ou de sens plutôt. C'est pour ça que la question qui est Laura, en fait c'est qu'est-ce que Laura représente pour chacun des personnes et quels sont les intérêts. Et puis c'est aussi une façon de parler de ces territoires-là par le biais d'une trajectoire singulière, d'une personne qui a quand même sacrément morflé sur un plan de sa souffrance personnelle, de sa souffrance de classe. Voilà. Et je disais, ça s'inscrit dans une démarche et fait partie intégrante de ce dialogue, le trouble que ressent le narrateur. Et cette démarche-là, elle se fonde, et ça va chercher loin, puisque je l'ai dit, vous êtes professeur d'université, vous êtes professeur en anthropologie. Vous avez publié chez Anacharsis une anthropologie de l'ordinaire, qui est une sorte, je pense, d'extrait de thèse, enfin voilà, ce sur quoi vous avez travaillé, et qui est donc une méthode, hein, une approche anthropologique qui mêle le littéraire. Mais votre premier ouvrage de littérature, voire de fiction, c'est une question qui est ambigu à cet endroit-là, chez Alia, le tout premier s'appelait Anthropologie, et pose déjà d'emblée, dès le titre, mais plus encore dans sa situation, ce trouble-là. Voir ce premier livre est construit pleinement sur cette position volontairement ambiguë entre les disciplines et dans le récit même du monde. C'est-à-dire, je vais vous demander de résumer un peu ce qui se passe dans ce livre-là pour ne pas le faire à votre place, mais il y a une mise en situation particulière, qui est ensuite mise en récit, voire mise en fiction d'ailleurs, puisque là où va le récit. Alors, pour le coup, c'est effectivement mon premier livre chez Alia, qui est l'histoire d'une jeune femme rome que je croise à un carrefour d'une périphérie d'une grande ville française, qui est Bordeaux, et puis à partir de là se noue une espèce de trouble, effectivement, qui est le départ de l'enquête. C'est cette idée qu'il n'y a pas d'enquête possible s'il n'y a pas de trouble. Ça s'appelle effraction, ici, c'est un mot qui me parle pas mal, parce que le rapport réel, l'effraction, ça pourrait être le trouble qu'on ressent vis-à-vis de situations qu'on peut juger inacceptables, insupportables, insoutenables, révoltantes ou profondément émouvantes. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se noue. C'est à l'époque où les Roms deviennent une espèce de groupes sociologiquement constitués que les gouvernants de l'Union européenne se refilent les uns les autres comme des encombrants. Et l'idée était de partir justement de la trajectoire très singulière de cette jeune femme pour la réhabiliter un peu en tant que personne. Enfin, avec Laura, la boucle est un peu bouclée. Enfin, en tout cas, le programme est le même. C'est-à-dire, le trouble permet d'abord de dire que je suis troublé en tant qu'observateur, ce qui se fait rarement en sciences humaines. En sciences humaines, on met à l'écart, on regarde les choses. Il y a beaucoup d'ellipses, beaucoup d'implicites quand on observe en sciences humaines. Moi, au contraire, je considère que je suis en train d'observer, en train de m'émouvoir, en train de me révolter. Tout ça fait du sens, je ne peux pas m'exonérer de ça. Et donc, c'est ce trouble qui est l'élément dynamique de l'enquête. S'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas d'enquête, à mon avis. Si, voilà. Et Laura, ça fonctionne un peu de la même façon, finalement. Hein. C'est une sorte d'amour de jeunesse contrariée.
et ce livre, Anthropologie de l'ordinaire, tâchait de mettre ça en méthode, une espèce de programme qui consisterait à se rendre réceptif à la négativité du monde qui nous entoure, plutôt qu'à essayer de positiver à tout prix. La négativité du monde qui nous entoure étant hyper présente dans la communication, il suffit de faire un pas de côté en fait, et on se rend compte de ça. Donc tous mes livres partent en fait de là, d'une situation qui est vraiment, les jeunes disent, les adolescents disent gênant, c'est gênant. Il y a quelque chose comme ça en fait, quelque chose d'inacceptable en fait, et que le réel ne peut pas s'incorporer, mais on est tellement dans une espèce de méthode couée généralisée qui fait qu'on accepte, on positive énormément. Moi je négativise énormément, mais pas parce que je suis pessimiste, parce que je considère qu'on ne peut pas comprendre le monde si on n'affronte pas ces situations négatives en fait. Oui, y compris le négatif peut produire des formes de... Alors si je dis épiphanie, c'est peut-être exagéré, vous pouvez me corriger, parce que je le fais en direct avec mon souvenir de celui-là, qui est le deuxième chez Alia, qui m'a beaucoup marqué, et qui comme, souvent, comme un deuxième livre, a eu plus de silence médiatique que le premier, parce qu'il y avait aussi l'habileté de l'appeler anthropologie, ce qui se met le trouble dès l'objet, c'est-à-dire que c'est une fiction qui s'appelle anthropologie, qui est une discipline de sciences humaines. Mais celui-ci, si l'enfant ne réagit pas, part d'une situation professionnel. Vous êtes là en observation anthropologique pour réaliser un audit. Je peux faire erreur puisque je fais avec mon souvenir, mais il me semble que c'est dans un centre social. C'est des jeunes, des jeunes en réinsertion, des jeunes donc en difficulté sociale, que vous observez les pratiques de leurs accompagnants. Vous êtes en position d'observation et c'est celle-là qui se retrouve mise en défaut. Et donc là, ça produit aussi, pour le coup, du récit et du littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de comique tragique. Vous vous enfermez aux toilettes parce que vous ne parvenez plus à tenir le rôle. Donc on est au cœur de la question du trouble, mais dans un récit qui devient littéraire, qui raconte quelque chose, dans presque une action. Et puis ce livre se termine, et moi, il m'a beaucoup marqué pour ça aussi. Il a une fin un peu elliptique et épiphanique. C'est-à-dire que ça se résout dans une sorte de d'illumination, à la fois triste et mélancolique et en même temps très belle, qui évidemment est inacceptable d'un point de vue scientifique. C'est tout sauf une résolution d'enquête. C'est même la déroute de l'enquête. Et ça, ça produit un récit. Ça produit un récit qui fait littérature, qui fait sens et qui le fait depuis l'expérience d'anthropologie. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, c'était une expertise, c'était la loi 2002 sur l'action sociale. Et en tant qu'anthropologue, j'étais amené à évaluer des... Alors, là aussi, on est dans l'euphémisme, dans l'hyper en positif, tout unité éducative polyvalente. En fait, c'est des orphelinats, quoi, bon, avec des adolescents qui et des éducateurs qui souffrent dedans. Et en tant qu'expert, j'étais en charge de poser justement une espèce d'expertise scientifique sur cette institution. Pour en fait ajuster la comptabilité, c'était une logique comptable. Hein. Sauf que je me suis trouvé à nouveau troublé parce que le trouble, en même temps, je vous mets au défi de ne pas l'être dans une telle institution. J'étais extrêmement troublé par une des adolescentes qui, mais pas par sa souffrance ou l'expression de sa souffrance, c'était très traumatique, etc. Mais surtout, ça me renvoyait à ma propre histoire. Et c'est ça qui est inacceptable en sciences humaines, en fait, qu'une observation nous renvoie à notre propre histoire. En général, les grands savants en sciences humaines, ils considèrent que c'est de la réflexivité, que c'est un truc qu'il ne faut pas trop y toucher, c'est un peu les scories de l'enquête. Moi, au contraire, je pense que ça posait la question de comment est-ce qu'on expertise la souffrance humaine. Comment est-ce qu'on peut l'expertiser en s'en dédouanant ? À mon avis, non. Du coup, le fait de tout décrire, y compris ces situations que vous rappelez, de m'enfermer aux toilettes, parce que simplement devant ces adolescents-là, je ne pouvais pas sortir mon enregistreur, mon carnet d'enquête. Ça, je l'ai fait une fois et ils m'ont fustigé du regard. Ça ne se faisait pas, en fait. Donc, quand on comprend... En fait, on est plus près du réel, je dirais, pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout d'un coup sur un groupe de personnes qui souffrent, voilà, qui seraient des adolescents en difficulté. C'était l'amendement 45, ils avaient quand même vécu des choses très, très douloureuses. On n'est pas sur un groupe en souffrance, on est à nouveau sur des récits de vie et sur des interactions entre celui qui observe et ceux qui sont observés, ce qui permet aussi de comprendre à quel point, nous, dans nos vies de tous les jours, on est complètement en fait phagocyté par la façon de consommer l'information. C'est-à-dire que si aujourd'hui des soi-disant sachants ou experts vous expliquent les doutes qu'ils ont ressentis, les troubles qu'ils ont ressentis, ce qu'ils vont écrire dans le journal, que ce soit Le Monde ou je ne sais quoi, ça va être complètement différent. Vous allez vous dire, tiens, c'est curieux, l'expertise, elle a une drôle de tête aujourd'hui. Mais en fait, on devrait tous pouvoir faire ça. Je pense. Et elle fait vraiment sens sur ce qu'on disait sur le trouble, c'est-à-dire une forme de mise en jeu. C'est-à-dire que
la première déroute dans l'enquête à ce moment-là, c'est qu'il y a une gamine, enfin une ado, que vous ne parvenez pas à entendre, mais au sens littéral d'abord. Il y a une dissonance d'abord sonore, puis cognitive, puis intellectuelle. Et ce cheminement-là, voilà, c'est vraiment celui du trouble d'abord sensible, inexplicable et presque physiologique qu'il faut tenter de décrypter pour comprendre voilà, dans l'endroit aussi d'où vous regardez, puisque ce qu'il y a à regarder dépend de la façon dont vous le regardez. Bien sûr. Et puis on est avec notre capital affectif et notre propre histoire en fait. Et d'une façon très, très troublante et très étrange, ça me renvoie à une histoire personnelle. Voilà, la maladie d'une personne et qui me fait revivre des situations. Bon. Et tout d'un coup, effectivement, alors cette jeune fille, c'est très particulier parce qu'elle hurle mais d'une voix blanche. Alors c'est très curieux ça. D'habitude, quand on hurle, il y a beaucoup d'affect dans l'hurlement. Alors là, il y a les effets des posologies médicamenteuses. Des neuroleptiques, etc., qui font ça doit jouer sur la tessiture, sur l'intonation. Mais c'est extrêmement troublant, en fait. Et moi, qui avais été relativement épargné par la violence, je suis évidemment sensible à ça. Et si on analyse très précisément ça, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas réduire le monde à des schémas. Enfin, c'est ce qu'elle a à dire avec cette voix-là. Évidemment, ça, c'est là que ça devient intéressant, quoi. Donc, mon expertise ne fonctionne pas et je ne peux pas. Je suis obligé de faire un livre chez Alia, quoi. Ce moment d'incompréhension-là, là, il passe par la tessiture, et vous le creusez après dans d'autres livres. Je pense à ces deux-là sortis en même temps, en parallèle. Alors, il y en a un qui a été réédité, augmenté, on va en parler, mais peut-être un peu plus tard, de sa version augmentée. Ce sont des livres à 3 euros. C'est vraiment des petits grands livres. Il y en a un qui s'appelle « Que du bonheur », et l'autre, bon, vous entendez l'expression ? Qui est un livre autour de cette expression-là, de ce lieu commun-là, et l'autre qui s'appelle « La crise commence là où finit le langage », et qui parle, lui, d'une situation qu'on a tous vécue, une situation extrêmement ordinaire, qui est le désarroi dans lequel nous met l'intrusion téléphonique commerciale. Même sort de désarroi, d'ailleurs, que la mendicité et la position dans laquelle on se trouve. Position intime, contradictoire, et qui se formule par du silence, en fait, et par un peu la même gêne qu'il peut y avoir dans les réponses que vous formulez à Laura. Vous ne trouvez pas la bonne réponse, pas au bon moment, on n'est pas dans le bon tempo. Et de cette situation-là, dans la crise, comment ça au fini le langage, hein, juste ce moment-là de trouble téléphonique, vous produisez une réflexion très articulée, qui appelle Wittgenstein, et voilà, y a un appareil bibliographique dans vos livres, justement, de littérature. Et qui part de cet endroit-là aussi, c'est-à-dire le titre est très explicite, la crise commence là où finit le langage, on pourrait presque le renverser, hein, le langage finit là où commence la crise, hein, c'est-à-dire le mot la crise qui en lui-même veut tout et rien dire et pose plein de soucis à cet endroit-là. Et ça va être une dominante dans pas mal de livres ensuite, de nommer le lieu commun, d'essayer de le situer, sociologiquement aussi, mais toujours depuis le trouble qu'il produit et l'incompréhension, ou le problème de compréhension, ou la dissonance. Oui, c'est partir de situations ordinaires, pour le coup, là, de situations de phoning qu'on a tous connues, et en essayant de comprendre comment l'aliénation qui est palpable, elle est surtout palpable par le langage, quand on est obligé, quand la personne qui me parle au téléphone est obligée de dire certaines choses, tenir un certain discours, et que moi je suis obligé de lui répondre. L'aliénation, elle est là, puisque c'est un langage que nous n'avons pas choisi et qui est totalement hors contexte. Et voilà, c'est une tentative pour essayer de lier un peu l'acte politique avec une tentative de parler précisément. Et c'est la crise de 2008 qui était qui est une analyse du mot crise, en fait, mais à la façon de quand on l'utilise dans le langage ordinaire. Et en fait, on se rendait compte à l'époque que le mot crise n'arrivait pas à désigner précisément une situation. Le mot crise, comme que du bonheur d'ailleurs, que vous avez rappelé, ce sont des expressions qui dissimulent des situations, qui étouffent les situations, mais qui ne parviennent pas à décrire. On dit c'est la crise, ok, mais enfin, on a des modèles. À l'époque, Jacques Attali, les économistes ont donné des modèles pour essayer de comprendre ça, mais on n'avait pas de prise là-dessus. Donc on est obligé de reciter un discours. Et la crise, l'aliénation commence à ce niveau-là, quand on ne peut plus désigner précisément ce qui nous arrive. Et c'est quand même assez une espèce d'aliénation généralisée que tout le monde soit obligé de dire la même chose, je trouve, et sans parvenir à contextualiser. En fait, c'est ça, tentative pour essayer de contextualiser
C'est ce que j'essaie de faire dans ma démarche depuis toujours, en fait. C'est ça l'enseignement de Wittgenstein. Les concepts, ils naissent quelque part, en fait. Et quand on voit où ils naissent, quand on comprend comment ils ont été échangés entre des personnes soi-disant savantes, on peut les démystifier, en fait. Et du coup, ils ont rapport aux lieux, aux lieux sociaux. Et là, je repense à un moment de Laura où je ne pourrais pas retrouver la page, vous allez nous le redire plus précisément. Mais vous mentionnez justement un lieu commun ou une expression qu'elle utilise avec voilà, un léger décalage aussi. Et vous dites bien que ça vous exaspère la façon dont quelque part, alors je parle du lieu commun du langage, depuis ce lieu un peu déshérité socialement, elle se sent obligée, enfin quelque chose requiert, qu'elle utilise cette expression, je ne sais plus laquelle. C'est ça, voilà, c'est juste, c'est ça. C'est ça dans le dialogue. Donc hein, la discussion entre eux continue, elle dit c'est ça, et ça vous exaspère. Ça vous exaspère pourquoi ? Et du coup, je vais en faire une question, plutôt que de le résumer à votre place. À ce moment-là, ça vous exaspère, et ça vous exaspère pourquoi ? En au moins deux endroits, c'est-à-dire qu'elle utilise cette expression, ça vous hérisse, mais il y a un deuxième temps à cette exaspération-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que votre agacement vous agace aussi. Oui. Merci. Oui, oui, exactement. Mais, rien ne classe plus quelqu'un que ses propres classements, donc... Alors moi, je n'ai pas d'exaspération en général vis-à-vis de cette expression. C'est ça. Mais c'est souvent, on entend une façon de couper court à une discussion en disant c'est ça. Et en même temps, je ne jette pas la pierre aux personnes qui disent c'est ça. Je ne suis pas en train de faire une milice anti-c'est ça. Quoi. Mais simplement s'il y a quelque chose, là, à nouveau, en contexte, lorsqu'elle dit ça, elle pourrait en dire beaucoup plus puisque le narrateur est dans une relation amoureuse avec elle. Et donc, elle coupe court avec cette expression un gimmick, comme on dit, quelque chose d'un peu stéréotypé qui vient... voilà, c'est un langage qui n'est pas conscientisé, on le dit comme ça, un peu de façon spontanée. Et effectivement, il y a double... Le narrateur prend tout pour lui, donc à la fois, il est très... Il peut trouver ça déplorable, et en même temps, il peut se trouver déplorable de trouver ça déplorable. Mais c'est ça, rien ne classe plus quelqu'un que ses propres classements. Si je juge quelqu'un, c'est qui suis-je pour juger ? Moi, je suis un esthète qui juge, et ça me renvoie donc à ma position de celui de tout est marqueur de classe. Et c'est vraiment un texte sur les marqueurs de classe, en fait, comment le langage se négocie avec ces marqueurs de classe, la honte, la gêne, voilà tout ça. Enfin, vendu comme ça, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Oui. Non, contrarié, ce qui est le plus beau des amours. Mais j'allais le dire, c'est-à-dire que comme un certain nombre des livres qui nous ont intéressés dans la programmation du festival, les deux choses se servent, c'est-à-dire le discours critique, en l'occurrence, que vous produisiez, l'analyse de situation, et celle qui produit la situation de fiction, le concept que vous voulez creuser, et en même temps, ce qui permet de rendre plus audibles ces idées-là, c'est la situation de fiction. C'est-à-dire que là, il y a eu aussi, je pense, il y a deux questions, ça peut m'arriver ça, il y a deux questions dans ma question. Il y a aussi une forme d'avancée dans l'art narratif littéraire au sens propre qui fait qu'on lit ce livre-là, et c'est là où je fais le teasing, parce qu'on était en train de mal le vendre peut-être, comme une réjouissante comédie noire aussi. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui a des parts vaudevillesques, c'est-à-dire qu'on s'amuse de façon, on rit jaune avec l'infortune du narrateur, de l'amoureux déçu sans cesse, à la fois déçu par l'objet de son désir et déçu par le refus potentiel de l'objet de son désir. Donc, il y a cette situation-là, mais la question que je voudrais vous poser, c'est celle-là. C'est-à-dire, est-ce que vous sentez qu'au fil de ces livres, quelque chose de profondément littéraire a peu muté et a peu advenu ? C'est-à-dire que, évidemment, le trouble qu'on a défini et le rapport, l'hybridité entre l'anthropologie qui fonde et l'objet littéraire me semble, dans Laura, faire aboutir un objet... pas plus littéraire que les autres, mais peut-être un peu plus abouti dans des aspects narratifs, dans la constitution de personnages, dans un dialogue qui pourrait s'envisager hors de ce qu'on a dit au départ. Probablement, c'est le livre le plus explicitement et formellement littéraire, mais je pense que, comment dire, il n'y a pas besoin d'analyse sociologique ou anthropologique. Nous produisons tous au quotidien tout le monde. On produit tous des analyses spontanées. Finalement, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Elle produit aussi ses analyses et je produis mes analyses. Et on fait de la sociologie ou de l'anthropologie spontanée, finalement.
C'est quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, je n'ai pas besoin de rameuter des auteurs ou des grands auteurs, parce que on n'a pas besoin. Sur ce parking, il n'y a pas besoin de grands sociologues. En fait, tout se noue dans l'incorporation des mots, dans la lumière, la lune, l'ambiance aussi très, très spécifique de ce lieu. La proximité d'une usine qui est très importante pour elle, puisque le père, le directeur de l'usine qui a fermé aujourd'hui est celui qui est un peu responsable de sa déchéance à elle, à Laura. Donc il y a une dramaturgie qui est inhérente au lieu. Et si je ramène des théories, ça casse évidemment cette spécificité-là. Pour autant, on pense comprendre aujourd'hui avec ça les questions de la France périphérique, comme on dit, ce qui veut rien dire. Hein, c'est des histoires de vie un peu très qui nous, quand on est hyper urbain, ça peut sembler très exotique en fait. Donc c'est d'anthropologie très exotique. Et cette question de la France périphérique, des centres, de ce que vous appelez ville-centre, hein, et pas seulement centre-ville, et périphérie, elle apparaît, donc là je refais un petit saut de quelques années en arrière, elle apparaît peu à peu, plus nettement dans votre travail, comme une préoccupation forte, notamment dans ce livre qui s'appelle Contre Télérama, où le mot Télérama ne figure pas dans le corps du texte. Donc c'est un livre qui joue volontairement aussi le malentendu, mais qui naît de quelque chose qui a rapport à Télérama, c'est-à-dire qu'il y avait eu un article dans Télérama à propos de la France moche, peut-être qu'on s'en rappelle, parce que du coup ça a fait beaucoup parler. Enfin, le livre, au-delà de son titre provocateur, s'inscrit aussi dans une reconsidération des fameux délaissés et des périphéries. Ça a été regardé autrement, mais effectivement il y a une dizaine, douzaine d'années, c'était un article juste ironique qui décrivait à quel point grosso modo, une grande partie de la périphérie urbaine de la France et des petites villes était inhabitable. Et la manière d'y réagir, ça donne un texte extrêmement étonnant parce qu'il ne théorise pas, a priori non plus. Ce sont des fragments, des parcelles, des instants de vie pavillonnaire. Vécus pour certains d'entre eux, vécus et fantasmés, c'est-à-dire qu'il y a de l'inquiétude aussi là-dedans, hein. C'est pas du tout un panégyrique, quelque chose qui prenne le contre-pied en disant non, nous on est là et ça qui est bien, la banlieue c'est super ou la périphérie c'est super, c'est juste de rendre justice aux lieux et aux gens qui y vivent en considérant qu'ils sont considérables et complexes, me semble-t-il. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la une de Télérama, Halte à la France moche, est au-delà du marqueur de classe, à nouveau, hein, les urbains qui, par rapport à ceux qui ne le sont pas. Il y avait aussi cette idée que ce qui est moche, ça n'est pas digne d'intérêt, au fond. Alors que pour vivre sur ces territoires-là, justement, c'est là que ça se passe. C'est une erreur colossale de Télérama d'avoir considéré que c'était moche, donc inintéressant, parce que la vie, elle est beaucoup plus là aujourd'hui que dans les centres-villes qui sont très codifiés, qui sont sous état d'urgence, etc. C'est très compliqué, alors que dans le périurbain, se passent des choses d'abord des choses dignes d'intérêt pour les routines au quotidien, évidemment. C'est un mode de vie aliéné, certes, il y a l'hypermarché, il y a la voiture, etc., la dépendance, mais en même temps, il se passe énormément. L'imaginaire s'engouffre beaucoup plus dans ces lieux-là aujourd'hui que dans les grandes villes, les villes-centres, à mon avis. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ce texte, en me rendant réceptif, comme d'habitude, à des choses qui dysfonctionnent, à des anomalies, des petites choses. Mais à partir des détails, en fait, tout l'imaginaire peut s'engouffrer des habitants. Et ce n'est pas nouveau. Des grands écrivains comme Thomas Pynchon situaient toujours les dramaturgies les plus fascinantes et les plus exubérantes dans le périurbain. Dans la suburbia américaine, donc c'est pas nouveau en fait. La suburbia ou la banlieue est beaucoup plus intéressante que la ville, alors en termes d'imaginaire à nouveau. Hein. C'est ce que je décris dans le livre, donc c'est une succession de situations étranges en fait, qui font du sens dans ces lieux-là. Oui, j'ai des images qui me reviennent, enfin, du tout, comme avec des livres de fiction, hein, c'est pour ça que je parlais de fiction, des images d'inquiétude, c'est-à-dire que je peux plus exactement remettre, mais à un moment il y a des gens qui essayent une arme dans un fourré. Et c'est une vision, c'est fugitif, on n'est pas sûr de l'avoir vu non plus, comme avec le narrateur. Et il y a quelque chose, vous avez parlé de Pynchon, mais moi j'ai pas mal pensé à Ballard, l'écrivain anglais aussi, qui partait dans ses fictions de formes d'hyper-réalisme au plus proche, qui de ce fait
devient soit une anticipation, une spéculation sur une situation, soit en soi quelque chose de très inquiétant. Sauvagerie notamment, alors j'y ai pensé après coup à Sauvagerie qui est un roman de Ballard assez court où il met en scène une banlieue de Londres qui a la particule, enfin, des crimes sont commis dans cette banlieue, tous les parents sont assassinés par ça peut être que par les enfants. Donc il pose une vraie question de société et en même temps une question des territoires, des banlieues résidentielles, un peu l'ancêtre de la Smart City, très, très, très vidéo-surveillée. Et évidemment, c'est-à-dire qu'il a très bien compris, évidemment, c'est un grand écrivain, il a très bien compris que dans ces endroits-là, c'est là que se passe le mystère le plus intéressant. Et alors, du coup, cette histoire de lieu, de centre et de périphérie, vous faire passer par le centre. Et il y a un livre paru il y a, j'irais, 4 ans, qui s'appelle « Les nouvelles métropoles du désir », qui est une sorte de pendant de la réflexion sur le pavillonnaire, qui démarre par une promenade dans une ville-centre, dans le centre-ville d'une ville-centre, qui pourrait être Bordeaux, qui pourrait être Nantes, qui pourrait être une ville assez smart, sinon une smart city, enfin quelque chose d'assez tendance, d'intelligemment pensé, de hype. Et là, la violence surgit, aussi par des formes d'exaspération. Je ne veux pas plus le pitcher, justement, pour ne pas tout raconter. Parce que là aussi, on part d'une situation, d'une simple situation, et d'une observation dans la ville. Et quelque chose se pense depuis là. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelque chose des nouvelles métropoles du désir ? Mais pour le coup, c'est une véritable effraction dans la ville, puisque c'est un fait divers. Ça part d'un fait divers, en fait. Trois jeunes filles qui viennent de la banlieue, qui s'en prennent à un jeune homme, hipster, on dit encore hipster, je sais pas, enfin, en tout cas un jeune homme très, très hipster, quoi. Et elle le tape sans vergogne, voilà, et lui ne proteste pas. Et c'est ça qui est, tout part de là en fait, ces trois jeunes filles. Pourquoi est-ce qu'elles l'ont tapé en fait? Pourquoi est-ce qu'elles s'en sont pris à lui? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette situation-là, un échange de regards, quelque chose qui dans son attitude à lui leur a fortement déplu au point qu'elle passe à l'acte en fait. Alors moi j'avais en tête souvenir les trajets des parce que j'ai pas mal travaillé en Seine-Saint-Denis avec des adolescentes déscolarisées et ils me racontaient leurs trajets depuis les jusqu'au hall depuis la Seine-Saint-Denis. Donc je repensais à leurs trajets comme ça quotidien et à la transgression, au passage à l'acte, au fait de ce rapport à la ville qui était un rapport en fait extrêmement négatif parce que évidemment ils traversaient des vitrines avec des objets qui ne pourraient pas se payer avec et puis donc comment ils me racontaient souvent comment ils pouvaient s'en prendre effectivement à des jeunes gens qui leur et c'est ça. Alors oui, ils n'arrivaient pas avec les mots, on en parlait un peu, mais c'est la ville qui était ciblée en fait dans ce fait divers. C'est que ce jeune homme il représente la ville, c'est-à-dire que tout ce qu'elles n'auront pas. Et tout part de là. Voilà. Après, je rentre dans ce jeune homme, donc ne proteste pas. Je le suis, il rentre dans un bar hipster, on peut dire. Mais c'est très, ce que je dis, veuillez m'excuser, c'est très simpliste. Et là, j'observe effectivement les comportements de l'hyperville. Et au même moment, je pense à ce qui se passe dans le village où je suis né, la petite ville où je suis né. C'est des jeux de contraste, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans mon périurbain de Contre-Télérama? Qu'est-ce qui se passe dans la petite ville de Laura à ce moment-là? Et c'est ces jeux de contraste qui... après, voilà, c'est travailler ça par le texte, c'est très intéressant parce qu'on prend conscience des clivages de territoire et des fractures, peut-être pas irréconciliables, mais en tout cas difficiles à concilier, pour le moins. Des fractures nettes. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, on passe de l'un à l'autre en étant dans une vision critique d'un point de vue analytique, dans tous les cas, mais également, puisqu'on a parlé de Ballard, inquiétante dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu qui soit, ce n'est pas un panégyrique du pavillonnaire, il n'y a pas un lieu qui soit un Éden par rapport à l'autre, quoi. Effectivement, ça remet en cause des mythes contemporains de la ville nouvelle, assurément, enfin de la ville telle qu'on veut la penser à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour autant que le pavillonnaire ou la petite ville et le désarroi de la petite ville est justifié ou glorifié. C'est-à-dire que vous tentez à ce moment-là sur les rapports de classe, c'est intéressant parce qu'effectivement c'est dans un moment de celui-là, je pense qu'il y a un premier échange avec un ancien
collègue ou copain d'école, enfin quelqu'un de la petite ville, en faisant un footing, qui fait lui son barbecue et qui est en train de virer Front National alors qu'il ne l'était pas avant. Et il y a une tentative d'analyse de ça sous un autre prisme peut-être que celui des médias ordinaires. Oui, puisque on parle de Karim Benzema, le footballeur, et il me dit « ce sale bougnoule ». Et donc, c'est pour situer, c'est la petite ville, une petite ville qui périclite. On vient de parler des difficultés pour subsister dans cette petite ville, de l'usine qui a fermé. Lui-même, là, c'est mon ami d'enfance qui tient ses paroles. Et lui-même vit avec l'auto-entreprise qu'avait inventé Sarkozy, qui lui permet de vivoter, mais c'est très difficile. Et donc, il a ces paroles-là, ce sale bougnoule, qui, moi, bon, en tant que citoyen, je peux toujours... On a bu un petit peu, alors je discute, j'essaie de parlementer, de dire les Arabes, ils ont inventé les mathématiques, j'essaie de parlementer. Et puis, je comprends bien qu'il y a, en fait, ce qui est ciblé, c'est pas vraiment Karim Benzema, c'est ce qu'il représente. C'était un footballeur nanti, les nouveaux détenteurs du pouvoir mondialisé, au-dessus des lois. Derrière, c'est encore la ville, en fait, qui est ciblée, ce que représentent les villes aujourd'hui. Et l'insulte raciste, on peut la comprendre au premier degré. Et on peut s'engouffrer là-dedans assez bêtement, mais moi, je suis anthropologue, alors je m'intéresse aux gens, même quand je ne suis pas d'accord. Et ça devient intéressant d'essayer de traduire ça, de voir ce qu'il y a derrière. Il y a autre chose derrière, en fait. Il faut travailler en contexte, en nouveau. Même la parole raciste, alors, des fois, quand elle est théorisée, bon, c'est autre chose, évidemment. Hein. Mais là, ce n'est pas du tout un néo-nazi. Hein. C'est vraiment... c'est une parole après 12 pastis. Et surtout, si on remet en contexte, il vient de parler de la déchéance... dans laquelle il est lui et dans laquelle est la petite ville. Donc tout ça est très lié. Et c'est rejoué dans Laura, ce rapport-là, avec l'usage que fait Laura du mot « enculé ». Et d'ailleurs, pour remettre en contexte, je ne vous ai pas demandé de lire jusqu'ici, vous voulez peut-être lire un petit bout ce passage-là, plutôt que de le résumer ou pas. Ou je peux le lire d'ailleurs, si comme vous voulez. « Enculé, sa voix n'est pas forte, mais presque étranglée, vulnérable comme jamais. Enculé. Elle maudit quelqu'un, mais qui ? J'ai une petite idée. Enculé. Papy, bien sûr. Comment ne pas penser que l'insulte lui est destinée ? L'enculé de la nuit du parking, de toute évidence, c'est papy. Enculé. Je repense à la raison de votre rupture. Lorsque le vieux l'élabore, il expose de façon ferme et opaque à la fois. Il ne veut pas d'une fille d'ouvrier. Poli, mais bon. Sans projet de carrière, assène-t-il. Une paumée. Des parents corrects, entendons soumis, mais elle, bon. Une fille de peu, un peu traînée aussi, il faut en convenir. C'est ce qui se dit. Mais bon, quand même, pas de fumée sans feu. Excuse-moi, je sais que c'est pas beau une femme qui dit enculé. Je n'en connais pas beaucoup, c'est vrai, qui disent ça, mais ça me choque pas. Tu le dis avec tellement de conviction, j'aimerais pas être celui à qui tu t'adresses. Secret défense. Papy, en 1991, à l'époque de la rupture, il s'est renseigné, il a ses antennes. Comme il traque la rumeur et surtout comme il le souhaite, comme il la lui faut à tout prix pour fomenter son plan, fort logiquement, il finit par la trouver. Ce ne sont que quelques poussières de Laura répandues dans les rues du bled, mais ça lui suffit pour lui faire une renommée. Il enjolive et fignole le peu qu'il a pour le planter dans le fumier local. La voici, la rumeur, surnageant dans son jupé silencieux. Ils auraient un jour aperçu Laura par inadvertance, lui et son épouse, choquée, elle n'aurait même pas pu témoigner, avec le maquillage rouge et noir que l'héritier avait exigé pour exciter son désir. Il l'aurait surtout... Mais sur ce point, le papy semble avoir quelque peu versé dans la fiction, délayé à partir du maquillage jugé outrancier, aperçu ce jour-là au bras d'un autre garçon, un bon à rien de la ville d'à côté, s'abîmant dans la petite délinquance. Je sais que ça se dit pas, enculé. Tu dois me trouver vulgaire. Non, je t'assure, pourquoi tu dis ça ? Et puis c'est quoi, en fait, la vulgarité ? Elle le dit là, elle le dit un petit peu plus tôt dans le texte, à propos de... C'est le même cas de figure, c'est-à-dire au-dessus, ce sont des enculés. Donc ça, c'est la première partie de la question. Je pense que ça rejoue ce que vous disiez à propos du propos raciste. Et puis la deuxième partie de cette question-là, hein, c'est sur le fil de construction de Laura. Du coup, on s'est retrouvé un peu plus loin. Et on parlait tout à l'heure de dramaturgie. Il y a du tragique, et la vie de Laura en soi est tragique. Et le tragique, il est là. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé... Enfin, voilà, il y a eu plus qu'un coup du destin. Le sort a fait plus que se jouer qu'elle, de se jouer d'elle. Des gens lui ont réellement et intentionnellement fait du mal. Lui ont intentionnellement mis la tête sous l'eau, le papy en question. Donc, deux questions. Premier contexte où enculé apparaît, parce que du coup, le mot lui est chronique, par rapport au pouvoir dominant. Et puis, ce deuxième moment-là que je viens de lire, sur le tragique de son histoire à elle. Alors, moi, il fallait éviter le misérabilisme, ce n'est pas du tout le cas. Mais justement, si on s'intéresse au langage, aux mots qui sont prononcés,
comment ce mot enculé apparaît et ce qu'il dit, en fait, par-delà. Il y a quelque chose qui parle malgré elle, finalement, où elle exprime toute son histoire avec ses mots à elle. Et puis ces mots existent, donc le narrateur étant amoureux d'elle, il est bien obligé de tenir compte de ces mots et de l'intégrer à son histoire d'amour. Et puis, tout ça apparaît avec, si on écoute vraiment les mots tels qu'ils sont prononcés, en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte de poétique, hein, finalement, qui dépasse largement l'analyse sémantique, c'est-à-dire juste l'analyse du mot enculé, qui effectivement est un mot qui pourrait paraître grossier, enfin qui en tout cas relève du langage grossier. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les mots, si on les comprend en contexte, c'est tout à fait différent. Et sur son histoire, c'est ça ? Oui, et du coup, sur ce que je viens de lire est un peu plus loin dans le livre et une répétition du mot enculé, mais on comprend qu'effectivement, le contexte dont vous parlez, c'est pas seulement du coup celui social du présent, c'est aussi celui de son histoire, hein, qui s'inscrit également socialement. Le contexte, c'est son histoire à elle. Oui, elle porte sa fiction, c'est-à-dire d'avoir été la plus jolie fille du bled et puis d'avoir fait une union un peu... avec le jeune homme le plus qui avait le plus de pouvoir, le fils du patron local, et puis elle n'était pas à la hauteur au niveau des pour présenter dans les soirées du bled, justement, avec le patron, etc. Donc elle n'a pas été jugée à la hauteur. Donc elle a été la rupture a été organisée par le patron, par Papy, celui qui fait l'objet de ce mot enculé. Et depuis, bon, elle était très éprise de ce jeune homme, et donc elle souffre de ça, en fait. Et c'est son... Et c'est surtout sur ce parking, les mots peuvent être prononcés, en fait. Elle a gardé tout ça en elle. Donc elle a beaucoup, elle boit, elle fume beaucoup de tout, et elle a fréquenté des types vraiment pas recommandables. Donc elle a gardé en elle toute cette histoire qu'elle ne pouvait pas dire, mais qui évidemment, et ses parents n'ont pas pu comprendre parce que les parents bossaient dans l'usine du père. Donc il y a une espèce de conjonction de concours de circonstances qui fait que tout apparaît comme une malédiction, mais en réalité non. En réalité, c'est ni un déterminisme ni une malédiction. Et moi, c'est surtout pas du misérabilisme non plus. Il faut éviter tous ces écueils. En fait, c'est juste quelqu'un qui essaie de retrouver de se mettre à parler, en fait, de son histoire. Et donc, le narrateur essaie de faire accoucher ses mots sur ce parking-là, à ce moment-là. Et elle retrouve donc, après, peut-être une estime d'elle-même, quelque chose de cet ordre-là, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'elle dit au narrateur. Une dignité. Et puis c'est sur fond de gilet jaune, c'est-à-dire que c'est pas prononcé, le livre est rose, rouge, mais c'est aussi sur... Elle trouve aussi, elle retrouve la possibilité de parler avec une espèce de fraternité. Elle arrive à 45 ans et puis elle est mutique, elle vit avec ça en elle qui la bouffe. Et le fait que des personnes soient regroupées sur les ronds-points à ce moment-là fait qu'elle a trouvé des personnes, peut-être pas à qui en parler, mais en tout cas une forme de fraternité qu'elle n'avait pas. Puis c'est des lieux où il n'y a plus de bar en plus, donc on peut plus se rencontrer, chacun est chez soi. Vous voyez, c'est assez... Donc c'est assez positif finalement et optimiste sur la possibilité de sortir de ce qui s'apparente à une malédiction, mais qui n'en est pas une, en fait. Et sur le choix des mots, vous venez de dire, effectivement, gilet jaune, il n'est pas prononcé. Ça, c'est intéressant. C'est un choix intéressant. Pourquoi ? Parce que je suppose que déjà, justement, gilet jaune, il connote, puisqu'il a été suremployé par les médias. Et voilà, c'est un mot qui, comme dans votre livre dont on n'a pas parlé, qui s'appelle « Les mots sont les choses », qui, du coup, décrypte un peu ça, les mots enveloppants qui sont vidés, de fait, de leur substance et de leur sens. Gilet jaune, vous l'évitez, ce qui est aussi une manière de tenter de pas la stigmatiser, mais qu'elle se constitue aussi par son discours individué. Par contre, vous faites le récit des ronds-points, ce qui m'intéresse à deux endroits, c'est-à-dire qu'on revient à des histoires de lieux, et je pense que les ronds-points vous ont intéressé, justement comme lieu de rencontre, improbable, mais existant, que ça se passe sur les ronds-points vous a également intéressé, du coup, d'un point de vue de société, et puis... on y revient dans le récit littéraire, c'est aussi un choix de choisir plutôt que le mot déjà rabâché par les médias et donc lessivé, de choisir l'angle du récit et de tracer une vie. Oui, le mot il est omniprésent et en même temps il apparaît pas dans le texte, ce qui fait que ici c'est très implicite, elliptique. Et c'est ce que je souhaitais, parce que je pense que ça permet de sortir un peu des considérations, d'une écriture journalistique aussi qui s'empare de ça, ou même littéraire. Hein.
on a vu des livres paraître avec ça parle des gilets jaunes. Ok, mais enfin, moi je pense que c'est quelque chose qui dépasse de loin la question de l'époque là. C'était un mouvement et y en aura d'autres. Donc c'est intéressant aussi d'imaginer que la question du passage à l'acte, d'essayer de comprendre, non pas les personnes par un groupe, mais par des récits singuliers, par leur trajectoire singulière, c'est quelque chose qui existera dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense que ce sera toujours d'actualité, en fait. Donc, gilet jaune, c'est que le moment d'un mouvement qui est peut-être beaucoup plus beaucoup d'ampleur et qui, dans le temps, va être amené à se rééditer, je pense. Et toujours sur les mots, on aurait pu commencer par là, mais le livre, il s'appelle Laura. Enfin, voilà, son titre, c'est son nom. Enfin, du coup, il y a une... Oui, parce que sinon, on dit les gilets jaunes, ils sont racistes. Alors, d'autres disent, ils sont pas racistes. J'en connais, ils sont pas racistes. Alors, c'est des conversations qui mènent nulle part, quoi. J'en connais, ils sont homophobes. J'en connais, moi, ils sont pas du tout homophobes. Et puis c'est ça, en fait, on entend ça un peu tout le temps. Alors que là, non, c'est une femme qui a 45 ans, et puis on comprend qu'elle va devenir gilet jaune, mais avec ses accidents de vie et avec ce que lui procure ce mouvement. Et pourquoi est-ce qu'elle va vers là? Et puis ça fait finalement un livre où on peut se poser des questions plutôt que d'arriver à faire des analyses hors sol, quoi. C'est ça qui, parce que bon, pour suivre un peu ce mouvement aussi, c'est vrai que c'est plus intéressant de le prendre par le biais du questionnement. Si on schématise, ça devient très rapidement n'importe quoi, puisque voilà, bon, c'est très spécifique. Il y a beaucoup de cabanes ou de ronds-points, tout ça est très spécifique en France, hein. Et du coup, pas de théorie hors sol. Et donc, les mots et les choses est un livre qui pourrait refaire de la théorie. C'est un de ceux qui re-théorise un peu tout ça, mais depuis cette situation-là, de mots enveloppants. Depuis celui-là, donc, qui a 4-5 ans, je dirais, j'aimerais vous poser l'autre question, presque la symétrique de celle qu'on travaille depuis le début, à savoir le littéraire et l'avancée dans le littéraire. Une question que je ne vous ai jamais posée, et j'y ai pensé tout à l'heure. Vous êtes prof d'anthropologie, donc ce qu'on appelle du coup un anthropologue. En quoi toute cette démarche littéraire et cette avancée littéraire, et le fait qu'il y ait réellement une avancée dans des outils littéraires aussi, dont on a parlé, dramaturgie et autres, caractérisation de personnages, en quoi ça a changé ou pas d'ailleurs? En quoi, on change toujours dans la vie de toute façon, en quoi ça a fait évoluer votre pratique d'anthropologue? Mais en fait, moi, je fais toujours des récits d'enquête depuis le début. Anthropologie, c'est un récit d'enquête. J'estime que c'est sérieux, finalement. Je note, comme je vous disais, tout ce qui se passe, ce que je ressens. C'est ça, le sérieux de l'enquête. Et on me disait, ouais, mais c'est un roman. Mais à l'époque, j'avais pas de poste, alors je disais, mais non, c'est pas un roman, c'est une vraie enquête, c'est juste ce que je fais, sérieux et scientifique, parce que je voulais avoir un poste. Maintenant, j'ai un poste, c'est pas grave, quoi. Il y a plus aucun problème. Parce qu'il y a une confusion, c'est là que je veux en venir, entre le récit et le roman. Et c'est pas parce qu'on a une forme narrative que c'est du roman, en fait, c'est assez absurde. On peut très bien raconter, un scientifique peut très bien raconter comment il renverse une éprouvette, et puis il le raconte, parce qu'il est dans un laboratoire. Pour autant, il peut utiliser le passé simple et des formes narratives. Mais ça reste de la science. Et même, il est obligé de le faire, sinon, il refera les mêmes erreurs. Donc, voilà, il y a eu une confusion dès le départ. Mais moi, j'en ai joué, je trouve ça, bien. Vous parlez du trouble au début, de toute façon. Enfin, quelque part, c'est un écho de ce que vous produisez. Depuis le début. Mais je réitère ma question. C'est-à-dire, en allant faire cours, en mettant en place des travaux, en suivant des travaux d'élèves, en quoi le travail littéraire a-t-il ou non fait avancer, reculer, changer, modifier votre perception et votre action d'anthropologue, ou pas? Alors, d'abord, je ne suis pas en université, parce qu'en université, ça serait fort différent, mais je suis en école d'architecture, donc je travaille beaucoup sur la fiction avec les étudiants, les futurs architectes, où je les amène à travailler des exercices de fiction, par exemple, créer une dystopie, par exemple, reprendre Jonathan Swift, Gulliver, et devenir minuscule ou devenir un géant. Qu'est-ce que ça fait si je reviens sur mon site et que je suis aveugle, comme dans L'aveuglement de Saramago? Donc j'ai un cours là-dessus. Donc je m'en sers beaucoup, en fait, de la fiction
Parce que la fiction, on le sait, c'est un moyen pour investiguer le réel, en fait. C'est-à-dire que, et eux, ça les sert beaucoup, parce que ça leur permet de s'affranchir du réel et des protocoles. Et je ne leur demande pas d'être sociologue, donc ils peuvent être désinhibés par rapport à ça, et puis ils y vont. Et en fait, beaucoup d'architectes ont été écrivains avant, hein, comme Rem Koolhaas. Il a commencé par écrire des livres à la façon des situationnistes. Jean Nouvel a écrit... beaucoup, et Corbusier, c'est un grand écrivain aussi. Donc, je pense que c'est une façon d'aller vers le projet, en fait. Moi, je m'en sers comme ça. Bon. Donc, ça veut dire que c'est heuristique, ça mène à la connaissance, la fiction. Merci. On est presque au bout du temps, il nous reste quelques minutes. Peut-être que quelqu'un parmi vous a une question à Éric Chauvier, que vous connaissiez ou pas son travail, puisqu'on a essayé de le survoler en revenant sans cesse à Laura comme un point de fixation, ou pas. Mais on a un micro à faire circuler si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à dire ou à demander. Il y en a plusieurs. Bonjour, merci. Je voulais savoir quelle avait été la réception de votre œuvre dans la petite ville d'où vous venez, comment votre œuvre a été jugé et reçu par les gens que vous décrivez, notamment dans le livre La Petite Ville. Là, vous faites allusion à La Petite Ville, au livre qui s'appelle La Petite Ville. Ça a été très mal reçu, parce qu'on ne peut pas travailler sur sa petite ville de naissance impunément, en fait. Hein. Et je ne l'ai pas anonymé volontairement. Et puis, j'ai compris à quel point les réseaux sociaux pouvaient détruire et détruire psychologiquement. Enfin, j'ai passé des sales moments. Alors, ça faisait vraiment une contre. Les élus ont estimé que ça faisait une contre-publicité à la petite ville, alors que moi, j'essayais juste d'engager un débat. Et puis, par contre, les habitants étaient plutôt trouvaient que c'était un constat lucide. Donc, il y avait deux sons de cloche, quoi, je dirais. Ces petites villes, souvent, sont dans une espèce de pulsion frénétique pour essayer de faire parler d'elles en bien. Et évidemment, moi, j'arrivais avec ce livre-là. C'est difficile d'engager un débat aujourd'hui, quoi, en fait, sur ces questions-là, quoi. Parce qu'il y a une espèce de... C'est un peu le, pour cette petite ville-là, c'est la recherche du second souffle, quoi. Et bon, voilà, j'essaie de poser ces questions, mais ce n'est pas possible. Sauf à les poser ailleurs, mais très loin, quoi, en ville, dans les grandes villes. Merci. Il y a quelqu'un là-bas. Bonsoir. Est-ce que Laura a lu votre livre et qu'est-ce qu'elle en a pensé, si c'est le cas? Oui, elle l'a lu, elle n'a rien dit. Non, elle l'a lu, oui. Non, mais enfin, je peux pas tout dire. Non, je suis désolé, je peux pas répondre. Est-ce que du coup ça crée une écriture particulière, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre travail d'anthropologue et justement quand vous travaillez vos notes ou quand vous travaillez par rapport à Laura, quel type de précaution ou dans quel état vous vous mettez pour pouvoir écrire? Mais déjà c'est difficile d'écrire face dans les situations, c'est toujours après coup. Enfin, prendre la prise de notes, vous voulez dire? Il y a plusieurs procédés, on peut enregistrer si c'est officiel et si tout le monde est d'accord, mais la plupart du temps ça se passe mal, les gens n'aiment pas être observés d'une façon générale, sauf des fois ils retournent le processus d'observation et puis ils sont contents parce que ça devient un porte-voix. Donc tout est toujours très différent et ça nécessite un jeu de négociation en fait tout le temps sur le à quel moment est-ce qu'on on montre qu'on observe, mais c'est donnant-donnant toujours, on ne peut pas observer et puis quitter les lieux. Donc l'écriture... évidemment, intervient après coup, mais tous les textes là ont été écrits de façon très différente parce que, par exemple, dans cet orphelinat, je ne pouvais absolument pas sortir tout ce qui aurait montré ma position d'observateur parce que ça aurait été vécu comme une espèce de violence symbolique ou voilà, de sachant vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des jeunes. Du coup, j'étais obligé beaucoup d'écrire sur des souvenirs. Et c'est très intéressant aussi d'écrire après coup sur des souvenirs parce qu'on garde simplement ce qui est intéressant. Merci. Oui, bon, j'ai trois questions. La première, c'est surtout sur Laura. Comment s'est terminée l'histoire entre Laura et son ancien
qu'elle a retrouvé finalement. Enfin, quelle a été l'issue de ces retrouvailles-là? Bon, on ne va pas spoiler, c'est dans le livre. Enfin, je... Mais au moins que l'auteur essaie de nous orienter un peu là-dessus. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en écrivant Laura ou c'est arrivé facilement quand vous y aviez pensé? Et la dernière, quels sont vos rapports avec votre éditeur? Est-ce que vous avez des rapports cordiaux ou c'est vraiment tumultueux entre vous? Merci. Parce que moi, j'ai des rapports tumultueux avec mes éditeurs. Quoi. Vous-même avez des rapports cordiaux, vous dites, avec votre éditeur? Non, tumultueux. Monsieur Ali, tumultueux. Non, j'ai des rapports apaisés et constructifs. Le texte, Laura, était une nouvelle au départ, qui est parue dans la revue qui s'appelle AOC, qui est une revue en ligne. Et il y avait la trame. Et ensuite, à partir de la trame, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Hein. Souvent ça vient pas, mais une fois sur 10, ça vient. Et à partir de là, j'ai senti que ça partait, que là, à partir de la trame de la nouvelle, pouvait naître un texte avec plus d'ampleur. Ça, c'est agréable quand on sent que quelque chose est en train de prendre. Donc voilà. Et puis pour la fin, elle est un peu. La fin, elle est ouverte, on va dire. Elle est ouverte, mais la dernière phrase tend à montrer que il est trop tard pour l'amour. Mais ça veut, la phrase, elle est. Il est trop tard pour l'amour, mais ça veut dire que beaucoup de choses vont sans doute advenir au-delà de ce constat. Vraiment, hein, c'est pas négativement que je vous disais, c'est pour pas vous gâcher le plaisir, parce que le livre vraiment fonctionne aussi en dramaturgie, et donc, comme en plus il est pas très très long, vraiment vous prendrez aussi plaisir, pour le coup, un plaisir particulier à aller jusqu'au bout, dramaturgiquement. On est au bout du temps, et ça enchaîne, il y a une grande rencontre avec Maëlys Kerangal juste à côté, ici même, aussi au même endroit, donc en plus il faut qu'on quitte la scène, qu'on laisse la place. Merci beaucoup Eric, j'espère sincèrement vous avoir donné envie de découvrir Laura et les autres livres. C'est un travail qui non seulement fait sens avec notre problématique de festival, mais fait sens globalement. Merci beaucoup Eric, merci de votre attention.